Dans le prochain épisode de Ici Tout Commence. Tandis que le profil d'Hortense circule à l'Institut, Greg rêve d'Eliott. De leur côté, Rose et Antoine prennent du temps pour se retrouver. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici Tout Commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 1er mars dans Ici Tout Commence. Le profil d'Hortense circule à l'Institut à la suite de son étrange découverte. Hortense est persuadée qu'Hugues l'a piégé et se rend chez lui pour faire supprimer le profil du site d'escorte. Sous le choc, l'expert comptable jure qu'il n'aurait jamais fait une chose pareille et promet de tout faire pour l'aider à la sortir de cette impasse. Comme elle est convaincue qu'Hugues a retourné la situation à son avantage, Hortense se confie à Eliott. Inquiet pour elle, le jeune homme lui conseille d'aller voir la police et de porter plainte pour harcèlement si rien n'a été fait d'ici la fin de journée. Peu après, la jeune femme commence à recevoir de nombreux messages d'hommes intéressés par son profil. Se sentant salie, Hortense craque sous le poids de l'émotion. Plus tard, la jeune femme reçoit la visite de son père à l'institut qui lui propose de financer l'intégralité de sa scolarité en espérant qu'elle change de cursus d'ici la fin de l'année. Seulement, la jeune chef en herbe refuse car la cuisine est sa véritable passion et qu'elle aurait aimé avoir son soutien plutôt que sa charité. Et d'ajouter qu'elle ne veut plus lui parler. Daniel rencontre ensuite Claire pour en savoir plus sur la bourse obtenue par sa fille. La chef Guinaud indique alors que les frais de scolarité d'Hortense ont été pris en charge par l'expert comptable de l'institut qui a voulu l'aider à réaliser son rêve. Quand Hugues débarque à son tour dans le bureau de la directrice, les deux hommes se serrent la main mais Daniel se montre particulièrement froid. Pendant ce temps, Lionel reçoit le lien du profil d'Hortense et l'envoie immédiatement à l'ensemble de ses camarades. L'information ayant fait rapidement le tour de l'établissement, Hortense accuse le coup et craint que tout le monde finisse par penser qu'elle se prostitue. Greg rêve d'Eliott à l'Economa, Greg présente ses excuses à Eliott pour avoir mal réagi au cours de leur dernière rencontre. Après qu'Eliott a fait remarquer qu'il refoule ses véritables sentiments à son égard, les deux jeunes hommes s'embrassent puis font l'amour. En réalité, Greg était en train de rêver et se réveille en sursaut. Perturbé par ce qui lui est arrivé, le jeune homme débarque chez les Tessiers pour voir Charlène. Une fois qu'ils ont fait l'amour, Charlène avoue ne pas avoir trop aimé car elle avait l'impression qu'il n'était pas avec elle puis signale qu'il ne la regarde jamais dans ses moments intimes. Rose et Antoine prennent des temps pour se retrouver toujours en colère contre sa mère, Souleymane ne veut pas la suivre à 7. Pour le raisonner, Rose lui fait comprendre que Valérie a agi de cette manière par amour et l'encourage à rentrer avec elle. Tandis qu'il se demande comment sa belle-mère peut se montrer aussi bienveillante, Souleymane monte finalement dans le taxi le vague à l'âme. Plus tard, Antoine et Rose profitent d'être enfin seuls pour avoir une discussion à cœur ouvert. Après lui avoir présenté ses excuses pour ne pas avoir été à la hauteur récemment, Antoine, qui souhaite que leur amour passe désormais au premier plan, prie Rose de revenir vivre avec lui. Ressentant la même chose, cette dernière accepte avec joie. Antoine retrouve ensuite Guillaume et le sollicite pour qu'il le remplace pour 15 jours dès le soir même. En rentrant, Antoine informe sa compagne qu'ils partent en vacances pour 2 semaines. Rose, qui est heureuse, le remercie de faire cela pour eux puis l'embrasse passionnément.
night.